J'espère que la magie elle est toujours là, sans quoi je crois qu'on n'arriverait pas à faire encore à l'heure actuelle pas loin d'1,5 million de spectateurs sur une année. C'est certainement Pinder Jean-Richard en 2016, une des dernières aventures de notre siècle. On partait du principe que de faire voyager un cirque aussi important avec pas loin de 4,5 km de convoi, c'est 33 gros camions, 33 gros semi-remorques comme ça, 147 personnes itinérantes et une soixantaine d'animaux. On est une des dernières aventures de notre siècle à offrir un vrai beau spectacle. Non seulement les animaux sont rois chez nous, et c'est aussi eux qui sont à la base de notre réussite et qui sont les vedettes du spectacle. Je dis très souvent, j'ai la chance de pouvoir être celui qui présente ce magnifique groupe de lions blancs, mais c'est les lions blancs qui sont les stars, c'est les lions blancs qui sont les vedettes, c'est pas moi. C'est eux que je suis non seulement très fier d'avoir avec moi au cirque, parce qu'ils étaient destinés à un triste business de la chasse dans leur pays d'origine en Afrique du Sud. Je les ai sauvés de ce business en les faisant venir ici, chez nous, en France, et en ayant une vie qui soit chouchoutée et agréable au quotidien avec moi au cirque, où j'en ai fait des artistes et où j'en ai fait des vedettes. J'ai été impressionnée par le dresseur de lion, là, parce qu'il leur tournait souvent le dos, les animaux étaient nombreux. Je pense qu'un cirque sans animaux, ben, ça serait banal. Moi, je soutiens les animaux en captivité, ils sont bien heureux. On n'obtiendrait rien du tout s'ils étaient maltraités. Tout s'obtient avec la complicité, avec le temps, avec le respect réciproque, avec l'amour réciproque. Et heureusement, je me rends compte que de plus en plus, quand je rencontre certaines personnes, hein, pas tous, mais certains de certaines associations protectrices animales, enfin qui se disent être de la protection animale, qui viennent me voir et qui se rendent compte qu'il n'y a rien, mais strictement rien à dire dans un établissement et dans un cirque comme le nôtre. Il y a un véritable amour entre l'homme et l'animal, entre l'homme et ses dresseurs. J'espère pouvoir en être la preuve quand vous voyez travailler et quand vous voyez des lions qui viennent se coucher sur moi. C'est le cas aussi pour Sandro avec ses chiens. On voit que ses chiens, mais ils s'éclatent quand ils viennent sur la piste. Ils sont contents d'aller sur la piste, d'aller jouer sur la piste. Ce n'est pas un travail, c'est un jeu. Pareil pour tous les animaux qu'on présente, que ce soit les animaux exotiques, que ce soit les éléphants. Tout est le résultat de complicité, de temps, de respect.